you know, with physical distancing, that cannot be possible. So you go take your medal, ce sont les adaptations, wear it, hein, and you don't even shake hands. Le Cameroun qui a le mérite d'avoir réussi à organiser une compétition great, great dans ce contexte sanitaire particulièrement difficile. Le pays qui s'est montré bien résilient, mettre en place les infrastructures, trouver des solutions dans le contexte sanitaire. Voilà pourquoi le monde du football tout entier est admiratif du Cameroun qui est en train de boucler cette 6e édition du CHAN. Va suivre tout à l'heure la remise donc. And I was telling you that before every match we had excerpts of the President of the Republic, Paul Biya, here at the stadium, reminding people on what to do, how to avoid contacts, observe social distancing, get to stay away from COVID-19. The government of Cameroon has put in everything in place to fight against COVID, push back COVID, and the world, of course, appreciated what Cameroon has done so far in the fight against COVID with the World Health Organization standing on strong. Here they come, here are the Moroccans, the Atlas Lions. They brought it, they are taking it back, the trophy. Seems to carry the name Morocco, and that is going to be so for l'OMS, le ministère de la Santé, on a porté un sacré coup au comité local d'organisation et la Confédération africaine de football pour réussir à organiser cette compétition dans le contexte Covid. Voici les médaillés d'or, donc les champions de l'édition 2020 du CHAN. Voici ceux qui ont triomphé donc à Yaoundé. Les Marocains avec Houssine, vous le voyez, le sélectionneur le plus heureux. Le voici qui a donc champion avec l'équipe du Maroc. Là, voici l'équipe qui est au plus haut niveau du podium. Aujourd'hui, ils vont exulter. Vous allez le voir tout à l'heure. This is always the most exciting part. After covering the 2017 Africa Cup of Nations, Evariste has stood there in that stadium in Libreville and watched how Cameroon was lifting the trophy, so you can know what this is. It is plenty of joy and plenty of excitement with the national anthem of your country. Boy, he looks at that trophy. This is the thing that we fought for all our lives. They give it to the representative of the President of the Republic. Qui va le remettre. Hands it over to him. John Goutte. Take it from the hands of the President of the Republic, boy. Le Maroc est get ready. Champion. Le voici, Ayoub El Kabi, capitaine de cette équipe. Meilleur buteur et meilleur joueur de la dernière édition. Qui aura marqué 3 buts cette fois-ci, avec un en finale, notamment cette tête. Le deuxième but qui appelle donc ses coéquipiers à célébrer, à soulever ce trophée ensemble. Voici le Maroc, champion fireworks 2020. Now is the time to say it, Evariste, while congratulating Team Morocco. It is time to say that the Moroccans have a very strong championship. The championship in Morocco is very strong. And I told you that the Botola Pro, the championship of Morocco, is the 17th in the world and it's one of the strongest. And as the tournament ends right now, and as we start saying the doxology, it is time for us to understand that only a strong championship can take a country to a point where they can lift the trophy. This tells us that after this tournament, we have to start asking ourselves the questions in Cameroon. Should we allow egocentric disposition? Should we allow people who have egomaniacal, egotistical attitude to continue running football in the country? Fireworks for the champions, they merit it. They are coming from where they have planted. The lesson should be learned. Morocco are the champions. Le Maroc est champion, il a réussi à décrocher le trophée organisé au Cameroun. C'est une réussite, c'est aussi celle, et là on va parler de nous-mêmes, c'est celle de la CR TV, Cameroun Radio Télévision, amenée par son directeur général Charles Dongo, qui a réussi donc à couvrir, à produire et à retransmettre en temps réel tous les 32 matchs de cette 6e édition du CHAN. C'était une répétition, dit-on, pour la télévision nationale, à ceux qui ont regardé de tirer les conclusions. Certainement, vous avez aimé ces retransmissions depuis le 9 février dernier. You had Limbe, you had Bepanda,
You had Douala Japoma and you had Yaoundé. This should be a great, great, great victory for the Cameroon Radio Television and the Director General, Charles Dongo, but also for the entire group, technicians, reporters, you, Evarist, and for all those who did their job greatly. Beautiful work for Morocco. Well, they will go back to look at how they succeeded. Of course, Tarawu is there. Et les pouvoirs publics qui n'ont pas épargné de moyens, ils ont tout donné pour la réussite de cet événement. Construction des infrastructures, réhabilitation pour réussir cette belle fête. Regardez cette joie marocaine qui exulte soulevant le trophée qu'ils ont pu conserver. Voilà, le Maroc deux fois champion. And the long story ends here like a Shakespearean drama, a tragic comedy. It starts difficult, but it ends in a comedy. This is where it ends, ladies and gentlemen. Remember, I told you, landed in Douala, midnight, breakfast in the Port Hotel in Akwa, and then, of course, roast fish down beach in Limbe. But then also a beautiful time in Bepanda Douala with Makossa Berry Dancer. And here we are, the Mfandena, Yaoundé Omnisports Stadium. It is time to sing the doxology. Praise God from whom all good things flow. The trophy goes to Morocco, and we go home to learn the lessons. La conclusion donc du sixième chant qui s'achève avec ces images de joie, de liesse de la sélection marocaine, la sélection venue d'Afrique du Nord qui a donc décroché le trophée. Un autre défi, c'est celui que le Cameroun devra relever. Il en est capable puisqu'il en a fait la démonstration avec ce chant. C'est celui de 2021, le chant qui se jouera la CAN qui se jouera en 2022. Ce stade de Fandena également va abriter l'une des poules. Il y a deux stades qui vont s'ajouter. C'est le stade, le complexe sportif de Lembe. Et puis, il y a le stade de Fouekon à Bafoussam. Il y a également Roumdé Adja, ça c'est à Garoua. C'est le Cameroun de tous les coins qui va donc abriter la CAN 2021 qui se jouera en 2021. Which is going to be far greater because there will be infrastructure galore. Very, very beautiful infrastructure that has been appreciated by the FIFA president, CAF president, everybody. That has come, Nuhu Diani, all the coaches, they have appreciated the infrastructure that the government has put at the disposal of football. Cameroon will be hosting Africa again next year for the Africa Cup of Nations. This is a beautiful, it is Africa that is winning, and all we can say is Hala Africa. Le Cameroun, fier de son président de la République, qui a donc cru. Qui a tenu à ce que tout soit fait tel qu'il a souhaité. On a bien vu les responsables de la CAF passer et repasser à la présidence de la République pour opérer les derniers réglages, pour s'entendre sur les perspectives. Voilà, le résultat est aujourd'hui. But also the steady fight against coronavirus. The steady fight against the coronavirus pandemic, Evariste. Remember that the centers to test for coronavirus are free. You can go test for coronavirus to see if you have it free. The centers are everywhere. Go test, and the fight has been sustained. Here we are, 6,700 people, 700 persons in the stadium, respecting barrier measures, instructions from the President of the Republic. A great, great fight against coronavirus coming in from the government, coming in from the Cameroonian people. Many stadiums available. This is a great success for Cameroon because, of course, this is the first tournament that is coming into Africa after the outbreak of the coronavirus. Comes to Cameroon, and Cameroon leads the challenge. Que d'infrastructures, de standards relevés. Un petit exemple, le stade de Japoma, 50 000 places, sera un des sites de la CAN. Et le stade de la réunification, qui n'est pas des moindres, qui sera un stade d'entraînement pour cette compétition-là. Vous pouvez comprendre un peu le standing des infrastructures au niveau du Cameroun, le stade, le complexe sportif d'Olembe, qui arrive également avec 60 000 places. On imagine bien qu'avec la CAN, on va monter d'un cran en termes d'organisation. Sans doute, c'est une autre réussite qui profile à l'horizon. So thank you very much. Thank you. Congratulations again to the Atlas Lions. Congratulations to those
who did everything to make this a success, to the volunteers. Congratulations to the local organizing committee from our very, very small point and a small commentary position here. Congratulations to all who have done it. You should be proud, of course, to be called a Cameroonian on a day like this. Proud of what the government has done. Proud of the sports infrastructure. Proud of the promotion of sports. Proud, of course, of the promotion of infrastructure. But as we go, Evariste Yenga, this is the time to go back to the drawing board and now say it's time for the championship to start. Terminé pour cette sixième édition du championnat d'Afrique des nations de football avec la victoire du Maroc, le sacre des Lions de l'Atlas, vainqueur en 2018 et vainqueur en 2020 de ce CHAN. C'est un record. La conclusion sur ce plateau avant tout de CHAN, juste après cette émission. D'abord, Angelo Bembaga, que retenir pour vous de cette compétition?